Show.com. Non farà senza di sé e l'anno di un'unica giornata non è un'unica giornata, ma è un'unica giornata. Già non conosco già, ma funziona in un contesto che è un po' differente dal contesto attuale, nel mondo. C'è ça qui fait che l'incontro è fatto in forma, perché non è abituale, ma in forma, che non è vero. L'organizzazione è déplacée avec plusieurs membres, on évite toujours faire une organisation au désir, que au présent, mais pour ça, nous sommes obligés de faire l'organisation seulement nous et au présentant pour éviter que nous gagnions beaucoup plus pour tout le monde. La presse tour, nous présentons beaucoup plus de radio, mais nous avons été réduits à deux ou trois radios, plus notre ami Franz avec la plateforme Presse en ligne qui est Franz Show. Donc, nous remercions tout le monde. Je remercie membres de l'équipe régionale qui est présent, soit Fred, à la personne de Fred qui représente les fondations directement, et puis Stanley Vidéo avec Nadine qui s'est collègue nous pendant le régional. Donc, moi c'est Kathleen Dorsin, moi c'est responsable de Digicel pour le département de l'Ouest. La fondation Digicel a rentré en Haïti en 2007, pour commencer une activité en Haïti en 2007. Côté que nous sommes allés déjà pour nous commencer sur des constructions d'écoles, je ne connais pas. Et je dis, nous fierons dire que c'est déjà 182 écoles que nous construisons avec des normes internationales. Côté que nous gagnons tout, formation, je fais professeur avec directeur d'école Yo, qui c'est des écoles qui joignent l'aide de fondation. Et mon salaire sur une formation, ça a eu donner des formateurs pour y aller former l'autre professeur. Ça veut dire, là, nous parlons de ces 1700 directeurs d'école avec professeurs d'école qui prennent une formation, soit une simple formation pour la fondation, ou bien des universités et à l'étranger qui sont partenaires de la fondation. C'est plus que 1700 parce que chaque monde s'arrive dans 1700 mondes, chaque monde s'arrive, c'est un formateur qui prête pour former notre école. Après projet construction d'école, la fondation a été rentrée dans aide à l'organisation pour faire développement communautaire. Et développement communautaire, ça a vite débouché sur un pile projet que la fondation a permis à l'organisation de fonds pour que vous êtes capable de mettre en œuvre le projet. Ensuite, nous rentrons dans le combat pour changement qui allait ça, je vous dis, c'est final, 4e édition. Et 4e édition, ça, recevoir pour notre ça, année ça, déjà passée, deux gagnants. Nous voyons ouais, qui ça, combat pour changement. Combat pour changement, c'est un concours qui parle un concours parce que c'est un accompagnement à organisations qui participent pour représenter nos projets communautaires, qui sont des projets qui vont améliorer la vie du monde dans la zone côté au sorti. Ils présentent des projets à eux, nous faisons des triages dans le projet, la fondation déplacer, équipe libre visiter le projet à eux, et après les étudiants, nous faisons une première sélection de quantité de projets qui vont passer dans notre phase. Et c'est dans la phase ça, que nous venons sortir ensemble avec 25 organisations qui étaient dans la finale là, et parmi 25 organisations, ça, c'est pas 15, j'ai été annoncé le temps de lancer le projet, le temps de lancer 4e édition, mais c'est 17 organisations qui ont reçu le chèque, 1 million de monde, avec un pile de support encore, et formation pour aider à atterrir le projet ça, dans la zone. Donc, c'est avec plaisir que la Fondation a reçu aujourd'hui. Et pour nous remercier, Fondation qui, organisation qui malheureusement est présente, comme je dis, à cause du contexte coronavirus, pour éviter tout le monde. Mais dans nos toutes 25 organisations, ça veut même dire dans nos 64 organisations qui ont déjà, pour 4e édition, qui voyaient des projets qui ont tout été plus intéressants que l'autre.
qui permettent de venir boucher sur 25 ans et qui permettent que nous fait tri de 17 organisations sérieuses, dont deux organisations pour Nord-Ouest, Saint-Jean avec l'Aïsanière, et deux organisations qui sont dans les zones, parce que nous avons toutes les zones de l'université, qui sont dans les zones qui vraiment besoin de support, moun, qui besoin de support des entreprises, tant pour Digicel, qui comprennent que on va faire pays, on va faire moun, et on va faire moun seulement la ville, pour obliger à aller vers l'autre moun tout pour faire moun dans tout contexte. Ma demande nous, dans le cas ça, pour nous féliciter pour tête, nous même organisation, parce que nous avons assez de courage et nous avons assez de bon sens pour nous dire nous voulons tout un peu à concours ça, que nous allons conduire pour changement. Et nous espérons que courage ça, avec bon sens ça que nous avons, pour la théorie la caille, avec support que la Fondation va donner nous, et pour la théorie la caille, pour la théorie dans la zone nous. Améliorer la vie mounio, j'en ai dit, le nous avons soutenu le projet nous dans la deuxième phase là, côté que nous avons présenté la fondation, mais qui ça projet a été, mais qui raison qui fait nous faire projet ça, et mais qui ça projet ça va porter dans la zone. Donc, nous avons déjà félicité peut-être nous, en tant qu'organisation, nous allons reporter le remerciement nous avec félicitations vers le monde mieux qui est capable là, et le nous allons monter ensemble avec société qui est dans la zone nous, population. Qui dans zone nous moins nous sommes capables d'atterrir pour nous. Un, qui ça qui comme tout changement. Deux, pour qui ça Digicel qui est une fondation parce que Digicel est une compagnie qui vend des produits et des services. Mais fondation est là seulement exclusivement pour aider. Donc déjà faut que nous quittons pour nous aider pour nous comprendre qui ça une fondation et en dans une organisation tant pour Digicel. Et je prends plaisir pour moi dire, nous fondation Digicel, pas seulement à chercher l'argent de l'autre côté pour côté, mais c'est l'argent que nous-mêmes, employés, à travail, qui aide la fondation à créer le projet. C'est qui ça fait nous capables de travailler? C'est parce que nous, qui sommes dans une zone, en tant que client, nous utilisons le téléphone Digicel avec le service Digicel. Et c'est retour ça que Digicel fait envers la société John John, envers la société BDN, pour dire si nous avons besoin d'aider les zones nous avancer, nos entreprises qui sont entreprises qui ont besoin de produits et services, utiliser les produits avec services quitter nous rentrer la caille avec les produits et services et nous-mêmes en retour, nous sommes capables de nous développer les zones pour nous développer le quartier, pour nous développer la famille. Pour être capable de changer, de sorte que même moi-même, je dis là, même j'ai un collègue qui est autour de table ensemble avec moi, capable des employés de Digicel, BBN avec Jojo, capable de fournir des petits mouns qui parlent des grands mouns demain, mais des grands mouns qui préparent pour être capable de remplacer nous au niveau du corps de l'homme. Donc, encore une fois, maman, je vous félicite d'être non. Et encore une fois, à remercier nous parce que nous avons gagné sans ça qui demandait pour nous aller chercher. La CAI Fondation Digicel, à chercher la CAI Digicel pour nous porter dans la zone. Donc, c'est plaisir pour nous annoncer deux gagnants, parce que déjà, quand on était déjà, on a pris la fille toujours dit tout le monde, on a pris l'organisation qui représente BDN, qui c'est Groupe Femmes Espoir BDN. Groupe Femmes Espoir BDN, qui en recevant aujourd'hui un chèque symbolique de 1 million de gourdes pour. À l'atelier projet par là, qui c'est un projet réparation système, non, qui c'est un projet bétonnage canal qui va faciliter l'agriculture dans la zone de l'EL. Donc, encore une fois, merci à Groupe Fonds Espoir de l'EL qui a reçu par la Fondation Digicel 1 million de gourdes. Dans la 4e édition Combien pour changement, qui va permettre de faire un projet ça, qui va permettre de faire plus manger dans la zone et pour qui va faire plus manger encore plus loin que BPL sur tout le département nord-ouest là et même au-delà. Encore une fois, félicitations. Et puis, deuxième gagnant, hein, qui c'est une organisation qui est dans John John, c'est dans. Commune Jarabel, association salariée et association des groupes évangéliques d'Haïti pour la prédication du monde et le développement d'une nouvelle génération. Donc, on a invité l'association des groupes évangéliques pour représenter les pour recevoir chaque symbolique qui, au même tout, pour atterrir le projet PAYO qui est dans la zone PAYO
c'est un projet pour améliorer le système de l'eau potable dans Jonjon qui pourra permettre que nous vivions en santé et être capable d'avoir accès à un service de l'eau que nous sommes capables de boire directement. C'est ça qui est le rôle de la France. Donc, encore une fois, félicitations à l'association des groupes évangéliques d'Haïti pour la prédication du monde et le développement de la nouvelle génération qui gagne avec la 4e édition comme il faut changement. Un chèque de 1 million de gouttes que vous avez besoin pour permettre que le projet soit capable de faire beaucoup mieux. Donc, félicitations à l'association. On va amener les remerciements de vous et félicitations de vous et à l'instant. Merci. Avec le chèque Sahayo, que nous avons dit tout à l'heure, qui c'est le chèque symbolique qui vous présente l'argent que l'organisation va recevoir. Puisque c'était un concours, c'est sous base de concours européen, nous recevons un tour des plaques d'honneur, des certificats qui vont être dans le local organisation pour prouver que le développement de la 4e édition pour le changement, qui va permettre que l'autre association dans la zone puisse profiter pour le développement de la 5e édition. Parce que j'en ai toujours fait pendant chaque année, immédiatement que nous avons clôturé la 4e édition, nous avons tout annoncé. Lancement 5e édition hein, qui va le faire vraiment bientôt. Pour lancement 5e édition, on va quitter Fred, qui est employé de la Fondation Anjouté Dicas. Je vous présente et je profite de féliciter l'organisation SAWA qui sortit dans le Nord-Ouest, qui vivait là et dans FASA. C'est sûr, si nous arrivons dans FASA, ce n'est pas un cadeau, c'est parce que mon jury qui fait partie et qui c'est des employés et des cadres de la Digicel. Donc, tu es jugé nécessaire que la communauté nous représente vraiment la nécessité pour jouer une subvention ça, que nous avons joué aujourd'hui là. Donc, encore une fois, mes félicitations à vous, ces deux organisations. Et donc, pour 5e édition et KPC et Combine pour changement, et nous pouvons vraiment statuer sur date, nous pouvons vraiment statuer sur date. Et par rapport avec Jean Béia, là, nous connaissons vraiment, ce n'est pas notre seulement Béia, nous connaissons ces 10 départements Béia que nous ciblons. Donc, nous avons regardé comment la conjoncture a évolué. Et puis, comme ça, nous avons sous peu, nous avons une date d'ouverture et 5e édition pour le changement. Donc, je ne vais pas grand-chose pour m'ajouter et j'ai une espèce de tout bagage. Donc, encore une fois, mes félicitations à vous. Merci. Merci. Merci, merci Fred. Et je pense que c'est toujours bon pour nous parler de chaque organisation de 20 minutes maximum. Pour faire un petit parler ensemble avec mon impression, parce que nous allons déplacer seulement pour nous. Il faut que les yeux ouvrent sur l'organisation et tout. Encore une fois, aux femmes, nous l'avons d'avant, ça permet que le groupe Femmes Espoir de BDN. C'était un plaisir pour nous, pour moi. Capable de féliciter la Fondation Digicel pour être folie et puis parce qu'elle te fait part de nous-mêmes pour jusqu'au nous y est dans une zone qui régulée, une zone qui vraiment a besoin de ça que nous devons faire, de chercher. La Fondation Digicel va nous lire, nous mettre tête nous ensemble, nous bien travailler pour nous capable de faire ça que nous devons faire. Merci. Dans l'irrigation, le projet c'est un projet d'irrigation. Qui est capable de permettre à la communauté de joindre plus de l'eau pour arroser pour qu'on puisse manger. Le bénéfice est de direct 660 et puis il y a environ 470 personnes qui bénéficient. Nous voyons beaucoup de chapeaux pour Digicel et nous remercions. Nous demandons bon Dieu dans l'harmonie pour toujours qu'il Fondation Digicel. Tchon. Merci. Moi, c'est Joseph, merci Dieu. Je suis dans la commune de Jean-Label. Donc, le projet que nous avons aujourd'hui, c'est un projet sur le captage de sources et puis distribuer de l'eau sur un périmètre de 4,5 km. Donc, c'est un honneur pour l'Association des groupes évangéliques d'Haïti, pour la prédication du monde et le développement de nouvelles générations, remercier la Fondation Digicel. Nous n'avons pas gardé des millions de gouttes là. Mais nous gardons une semaine de formation notamment sur gouvernance, sur démocratie au sein de l'organisation, qui c'est des bagages qui sont très intéressants pour nous-mêmes. Donc, nous n'avons pas de mots pour nous être capables de remercier Digicel. Côté nous allons faire captage de ça, il y a plus de 12 ans et qui finit avec un pile d'échecs.
que ti moun ki tombe soit dans yo cassé soit pied yo cassé n'a chercher de l'eau dans distance ça et l'eau ça nous pas desservir environ 9000 familles directement et indirectement a gagné trois sections qui c'est 7e, 6e et 5e qui a bénéficié de fois même 100 de Jean Rabel comme ça tout pour avoir plus passé 19000 moun indirect qui a servi avec lui. Donc yo projet pour ça et il y a plus l'importance pour nous, je dis à que moins moun qui a malade. C'est en dans chaque kiosque la fait yo a trois kiosques, yo réservoir, yo captage capable permettre en dans chaque kiosque nous mettre yo filtre parce que nous pas gain assez moyen pour nous faire un traitement réel pour moun yo, mais au moins vie moun yo aura garantie. Plus ti moun va gain moins maladie diarrhée qui qu'on a attaqué dans zone ça. Donc je dis à nous pas garder trop bagaille parce qu'il transe vrai coûte. Mais si nous t'avons parlé, ça t'a pris en pile. Et espérer que la Fondation Digicel pas faibli et la continue de travailler dans l'idée pour jouer de ça qui est plus faible. Merci en peu. Nous remercions chaque membre organisation qui dépend de nous, qui est spécialement la version, qui dépend de nos détails, mais qui s'en projet et qui a profité tout pour remercier la Fondation Digicel. Donc, encore une fois, dans nos fondations, nous avons remercié nous pour le déplacement et remercié nous pour ce que nous avons fait à la 4e édition pour le changement. Nous avons obtenu pour notre fondation, pour nous dire telle date, c'est le lancement inscription pour la 5e édition. Mais déjà, j'ai toujours fait chaque année, je peux me dire. Il y a un challenge entre monsieur qui est responsable de l'ONU, donc nous avons la fondation, deux organisations qui sont des deux organisations de zone Bas-Nord-Ouest. L'année dernière, nous avons gagné dans la parole ouest parce qu'il était sur Jean Rabel, c'est moi qui étais en action, et puis nous avons gagné une autre qui était à Gaspar, l'organisation à Gaspar, Saint-Mé du Nord, c'était deux organisations qui étaient gagnées, donc c'était Bas Nord-Ouest et au Nord-Ouest. Donc, année ça, c'est deux organisations Bas Nord-Ouest, challengeant, c'est encore. Espérer que nous pouvons gagner une lutte entre, alors une lutte pacifique, bien sûr, entre responsables de Zonio pour y faire. Information passée, puis vite, puis plus et puis bien auprès de l'organisation. Et nous-mêmes, nous avons des noms intéressés aux organisations qui sont dans la zone, vu que nous avons participé dans la 5e de la rapide. Mais intéressés, nous sommes capables, gens, organisation et gens, responsables d'organisation soutien. Nous sommes en juillet de tout ça qui va permettre de nous développer le projet, mais juillet de présence et fondation. Qui pote pour nous en formation, parce que c'est très important dans la survie organisation yo, pour que nous capable comme comment pour nous gérer le projet yo, et puis atteindre le projet. Encore une fois, merci à mon apprécié qui a fait un gros effort, qui a bravé la température là, pour le terrain, malgré la pluie. Nous apprécions ça et nous reconnaissons que chaque année, c'est comme ça que nous toujours fait, nous espérons toujours bien ensemble avec nous. Et le lancement de la 5e édition, nous va au courant parce que c'est voir nous qui pote pour l'organisation, il faut souvent. Lancement pour l'autre édition. Donc, moi déjà compté sur nous et remercier nous pour ce que nous pouvons supporter nous pour nous continuer à faire travailler ça. Merci tout le monde. C'est là qu'on va mettre fin. Nous souhaitons que tout le monde fasse bonne route pour retourner à la CAILO. Encore une fois, merci. La vaille pour nous rencontrer parce que faut nous visiter le projet nous lorsque nous sommes en cours. Et puis, nous-mêmes, tous si nous avons des difficultés, nous allons avoir des contacts avec nous au niveau de nos régionales là, pour nous aider nous dans la façon que nous avons mis le projet sur. Merci un peu, bonne fin de journée. Bon, une bataille pour équité. Donc, puisque nous sommes avec filles pendant plusieurs fois, donc nous pouvons être capables d'équilibrer les bagailles. Donc, on a commencé avec l'association des groupes évangéliques d'Haïti pour la prédication, qui a recevoir plaque d'honneur de la part de la Fondation Digicel. Donc, encore une fois, félicitations. Donc, nous ne voulons pas faire sans GM, sinon, on n'est pas la possible vraiment. Et GM a accueilli la fondation vraiment bien et a appelé la fondation dans la quête que nous avons dans le département de l'Ouest. Donc, merci. Ok. Longtemps.
Ça fait déjà longtemps quitté pays moi. Faut me retourner. Longtemps, ça fait déjà longtemps quitté pays. Oh,